Good job. Please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now in session. Je déclare l'audience ouverte. Today, the chamber continues to hear testimony of the expert witness. Aujourd'hui, la chambre va entendre. Continuez d'entendre la déposition du témoin expert, M. Henri Lepage. Je suis la greffière de Ferrette à des parties présente à l'audience aujourd'hui. Greffier. Monsieur le Président, aujourd'hui, toutes les parties au procès sont présentes. Monsieur Nunchi est présent dans la cellule downstairs. Dans la cellule de détention temporaire en bas, il renonce en effet à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. The waiver has been delivered to the greffier. Et le document de renonciation en ce sens a été remis au greffier. L'expert, appelé à poursuivre sa déposition aujourd'hui, à savoir Monsieur Henri Lecard, est présent dans le prétoire. Je vous remercie. President, thank you, Ms. Sakobuti. The chamber now decides on the request by Nunjia. The chamber has received a waiver from Nunjia dated 29 July 2016, which states that due to his health, that is headache, back pain, he cannot sit or concentrate for long, and in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive his rights to be present at the 29 July 2016 hearing. Il renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire à l'occasion des audiences du 29 juillet 2016. La chambre a également saisi d'un rapport du médecin traitant des CETC pour Nunchia, daté du 29 juillet 2016. Le médecin indique que Nunchia souffre and de feels mal de dos dizzy when he sits for long, and recommends that the chamber shall grant him his request so that he can follow the proceedings smoothly from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 81.5 of the ECCC internal rules, the chamber grants Nunchi his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs via an audiovisual means. The chamber instructs the AV unit personnel to link the proceedings to the room downstairs so that Nunchi can follow. That applies for the whole day. And before I hand the floor to the co-prosecutors to put questions to the expert, the chamber wishes to issue an oral ruling on internal rules 87, 3 and 4 request. Concernant la requête déposée pour 87.384 le 28 juillet 2016, l'avocat de la défense de Kyo Sampan a demandé est-ce que la version du livre de Henri Lecard, Pourquoi les Khmers Rouges de 2013, soit versée en preuve. En effet, la défense a l'intention d'utiliser cette version of the same book in the course of the questioning of expert Henri Lecard. Concerne également la version de 2016 pour on the same day, the chamber heard submissions by the parties and le même jour, la chambre a entendu the other parties do not object to the request. Des parties, the chamber, noting the requirements of internal rules 87.3 and 4, à cette requête, la chambre notant besides, to grant the les articles 87.3 et 4 décide de faire droit à la défense de à la requête pardon de que the chamber now hands the floor to the co-prosecutors to put questions to expert Henri Lecard. L'expert Henri Lecard. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à vous. Thank you, à Mr. President. Les juges, bonjour à toutes les good parties. Good morning to you, to your honors, the bonjour judges, to vous, all the parties. Good morning, des questions à vous poser Mr. Expert. Aujourd'hui. I will have several et questions to ask you today, and I will ask you, as the judges did yesterday, to please respond very precisely en essayant de laisser de côté to the questions, les digressions. Si j'ai besoin de détails supplémentaires, if I need additional details, je poserai des questions complémentaires. I will ask complimentary questions. Je voudrais commencer ce matin avec like des questions concernant votre livre, Le Petit Livre Rouge de Pol Pot. Le petit livre rouge de Pol Pot, Pol Pot's Little Red Book. Qui porte la cote E3/2812, dont je signale qu'il n'y a qu'une traduction partielle en I Khmer. I would like to note that there is only a partial translation in Khmer. Tout d'abord, vous avez parlé hier du Cambodge First of all, comme you étant spoke yesterday of Cambodia.
un pays de culture essentiellement orale, a country du moins which has essentially an à l'époque du Cambodge démocratique. At least during the era of Democratic Cambodia. À cette époque, est-ce qu'il y avait de nombreux cadres Khmer Rouge au niveau local qui n'avaient qu'un faible niveau d'éducation? Qu'en savez-vous? What do you know about this? Bonjour, merci pour votre question. Good morning, thank you for your question. Je ne pense pas que je puisse éclairer spécialement la Cour sur ce genre de questions. Don't think that I can la plupart de mes témoins ayant été des victimes, the witnesses I spoke with were first and foremost victims. J'ai tout de même, that's the first point, parmi and les second, nombreuses personnes que j'ai interviewées, nevertheless, among the many people that I did interview, eu un certain nombre de personnes qui avaient été entrés dans la révolution. There were several people that had been part of the revolution. Un photographe de la province de Preven, photographer from Preven ou province, à d'autres personnages qui, dans le régime de Heng Samrin, avaient des responsabilités. Heng Samrin's regime, donc, along with des other gens people, relativement he had some responsibility. And so these people were relatively educated. D'anciens Khmer Rouges, illettrés, ça m'est arrivé deux ou trois fois. I rarely spoke mais with an illiterate de ces personnages n'avaient pas très envie de parler. Donc je n'ai happen, pas but most de, of these people really didn't want to talk very much, so sur I don't have very much light to shed on this question. Dans le contexte de cette culture question, essentiellement in the orale, context of this essentially quelle était l'importance culture, des slogans, des proverbes ou des dictons what was the meaning or sense of the du pouvoir dans dictums, la diffusion de l'idéologie du Parti sayings, etc. Du Cambodge, what role did they play in disseminating Cambodge. Throughout Cambodia the ideology of the Khmer Rouge regime? Alors, là, c'est comme dans tous les pays communistes. Well, there, as in all communist dans tous countries, les pays communistes, on a utilisé des centaines, voire des milliers de slogans. There was a use of on hundreds, me dit qu'en Chine, of il y en slogans. Avait des milliers et des milliers. I was told there are thousands and thousands je crois of them in China. Que personne ne les a jamais collectés. I don't think anyone has ever made a collection of them. Le seul qui I a believe collecté that I'm the only one slogans who d'un régime communiste. Slogans from a communist regime. So given the importance, oui, la pensée était yes, très sommaire, indeed, réduite thought, presque au degré zéro de niveau intellectuel really général. Donc c'était une zero as far as intellectual très simpliste, so they were very simplistic du style sayings. Bon, la société est divisée entre les bons et les méchants. Along the lines of society is divided into the good and the bad. Les capitalistes, the proletariat les and the capitalists, les amis, the enemies donc, and the friends. C'était une idéologie très simpliste. It was a very simplistic ideology. Elle était surtout destinée à la jeunesse. And it was mostly c'était aimed un moyen youth. De faire entrer les grandes idées de la révolution auprès de la jeunesse. En suivant cela, le modèle maoïste, Mao avait déclaré que les jeunes étaient une page blanche sur laquelle on pouvait inscrire les fondamentaux de l'idéal révolutionnaire. Ideals of the revolution could be written. Les Khmer Rouges qui étaient pressés avaient peu d'espoir de convertir les classes plus âgées, plus éduquées, et ils misaient beaucoup sur la jeunesse révolutionnaire. D'ailleurs, une association des jeunes there révolutionnaires. Society, donc, il y avait une certaine forme d'éducation des there jeunes. Was a certain form of education dans beaucoup de communes, il y a eu people, in many communes, des classes où on enseignait classes, à lire, à écrire they et à compter. To on enseignait count, les to slogans read et on to enseignait write. Les chants révolutionnaires. They also learned donc, revolutionary songs and slogans. Disons, les slogans et les chants révolutionnaires the slogans étaient and the le principal mode de formation, d'éducation de la jeunesse. Main means, the main resource used in au cours educating de toutes the les youth. Réunions solennelles, des fêtes in révolutionnaires, all of the on proclamait toujours des slogans and, également. Ceremonial meetings, slogans were also used and announced. Ces slogans étaient par nature question. Courts. Were these slogans usually est-ce que cela rendait leur application brief, facile? Short, and do they have a lot of imagery? Did this make them more understandable? Là encore, c'est answer. Un petit peu
difficile de répondre. Again, it's a bit difficult to respond. Nous, dans notre société, on est plus habitué à in ce our que society, ce soit we are more accustomed les, to les spécialistes de la publicité qui utilisent des slogans, media specialists using slogans, ou même des hommes politiques maintenant dans les campagnes électorales. Electoral maintenant, campaigns. Vous posez la question très générale, est-ce qu'ils sont efficaces ou est-ce qu'ils sont pas efficaces? Je pense que c'est aux psychologues de répondre ou aux politologues. I think that someone more trained in, je ne sais pas. In politics, mais étant donné que dans le Cambodge démocratique, étant donné apt, que contrairement à notre société, but I think that in the Khmer Rouge society, to the contrary of ours, the population media, had access to no other type of media, no books, radios, no television, no radio, radio except the Radio Et Democratic encore, Cambodia. La majorité de la population n'écoutait pas and la then radio. Once again, most of the population did not listen to the radio. It was only the cadres who listened to it. D'autres sources d'information. So in the absence of any other type of information, it is possible that slogans, and especially among the youth, had a significant impact. Je vais commencer par un premier slogan question, bien I will connu. Begin by one slogan which is well known. Dans votre livre en français du slogan qui porte le numéro in, 220. It's number et 220 en anglais parce que l'anglais in est the une, French version of your book si and English. Pas, une édition augmentée. Because it's a en anglais, fuller edition. C'est le, numéro, le slogan numéro 258. It's number 258. Je me propose d'ailleurs, Monsieur le Président, de ne pas nécessairement donner chaque fois les IRN. I would propose to not give the IRN numbers each time, Mr. President. Chacune de ces versions devant suffire. Versions mais should également suffice, les IRN si but nécessaire. I do also have the IRNs if that is necessary. Donc ce slogan so dit ce qui suit. Si on te garde, follows. Aucun gain. Si on t'extirpe, aucune perte. Est-ce que vous pourriez, comme pour tous les slogans que je vais citer, nous expliquer quelle était la signification de celui-ci, selon vos recherches et selon ce que les gens ont pu vous en dire? The slogan is no gain in keeping, no loss in weeding out. Could you tell us, according to your expertise, what is the meaning of this? Alors, ce slogan fait partie de ceux que j'ai soulignés. Il y en a une trentaine, une quarantaine. Qui était connu dans tout le pays, qui était répété partout, et que so je crois que many nous douche dans ces trois témoignages. Sorry, just a second, please. We have a problem in the translator's booth with the change of languages. We only heard the French now, so I don't know. Is there a problem? Is the interpretation coming through? I heard on the English channel the French. Is the English channel working now? Yes. Now it is. Madame la juge, dois-je répéter la question également? Your Honor, should I also repeat the question, or is it just the answer that was not heard? The question is okay. It was the answer. Oui, alors ce slogan fait partie yes, de so la trentaine, quarantaine, cinquantaine de slogans que j'ai soulignés. Ça faisait partie de ceux qui étaient répétés dans tout le pays, que tout le monde connaît. D'ailleurs, Deutsch, dans ce témoignage, l'a souvent cité. Moreover, Deutsch il est probable it. In his testimony, it is quite probable au cours des interrogatoires dans les multiples prisons de tout that le pays, it was used in the many interrogations at the prisons at all levels of the country. C'était un arrêt de mort. Qui était signifié aux accusés. It was a bit of a death sentence that was announced to qui pesait sur tous les gens qui avaient une velléité d'opposition au régime. To talk about people who had a true opposition to the regime. Il y a le mot extirper dans ce there is ce the slogan, word et vous in avez the slogan weeding out. Commentaire dans votre livre. And you said in your c'est book as a comment to that. So E3/2812. En français, c'est 175/3954-1578. Vous avez and dit it was ceci, 3954, je cite, la métaphore du deuxième verbe suggère here, le nettoyage d'un champ pour le débarrasser de ses mauvaises herbes.
implies the image of a field to take out the weeds which are harmful before planting the good seeds. Tous les survivants du régime l'ont entendu. And therefore, the new society should be a clean place, and all of the survivors of the regime have heard this repeated. So these are words that we can effectively hear to support the accusation of a deliberate will for extermination, which was organized quite coldly in the center and applied to vast social categories. Si vous maintenez ce commentaire. This depuis, is something you wrote in the 90s, and I'm wondering if you still maintain this assertion or if you would like to add some amendments or nuances at this time. Non, nullement. Answer, no, not at all. I would write exactly the same thing today, plus que je sais davantage de choses, par exemple, especially sur la Chine, because I know even more things là, now about China, les opposants where pas systématiquement, the opposition there was not systematically executed. Those people dans les camps were held in re-education camps. On peut citer Zhang Zhongqiao, le chef de la bande des quatre, qui était aussi appelé le Cobra, qui a été arrêté un peu après la mort de Mao Zedong, shortly after the death of Mao Zedong, and he was thrown in prison. He was in there for some 12, 15 years. He survived, he returned to civilian life, and he even organized a human rights defense group in his older years. So you see the difference between that and Cambodia. It is absolutely monumental. Est-ce que ce slogan question, does this slogan reflect the perception that the regime had of human being, in particular of enemies? Oui, y a toute une answer, littérature sur les yes, ennemis. There is a whole body of literature livre, on enemies deuxième version de in the first and second version of my book, Pourquoi les Khmer Rouges, où je cite there is la a very large paragraph where Hedder, I comment talk les about ennemis étaient appelés, they cite the connection that Stephen Hedder made, how the enemies were called worms and all sorts of other imagery was used. They were des gens human qui waste. Faisaient plus partie de la race humaine, de la nature they humaine. Were people who no longer had human nature, who were no longer part of bien, the human race. Au slogan suivant, the question, so now I'll move to the next. Numéro 217 dans la version française, slogan 217 in the French version. Et 255 dans la version and 255 anglaise. In the English version. Alors il dit ceci, mieux vaut faire une erreur so en arrêtant quelqu'un, you can arrest someone by mistake. Jamais quand on le relâche. Never release him by mistake. Fin de citation. End quote. Alors, nous sommes devant un tribunal. So we are here cette maxime, before évidemment, a court, pour les juristes, maxim revêt une signification particulière. For lawyers, obviously, has a particular est-ce que vous pourriez élaborer could you elaborate la on signification peut donner à ce slogan dans le contexte what du régime of this de Kampuchea démocratique. Je répète, mieux vaut faire une erreur Kampuchea. En arrêtant quelqu'un, so I will repeat the slogan. Jamais you quand can on arrest le someone relâche. By mistake, never release him by mistake. Voilà, alors comme vous venez de le souligner, cela relève de, exactement l'inverse des principes exactly juridiques qui prévalent dans une société démocratique, which prevail in a democratic society, puisque habituellement, on dit usually le contraire. We say the opposite. Je ne sais pas si je le dis dans la version française ou anglaise, I don't know if I say it in the English mais je crois or the French version, avoir lu que cette idée qui a idea. Germé dans le cerveau des dirigeants Khmer Rouge which n'était was pas que Khmer Rouge, Khmer Rouge et qu'elle aurait été inspirée par le Viet Minh. Wasn't only a Khmer Rouge saying, but that it was inspired by the Viet Minh. Où je l'indique. I don't know where I indicated, dans but la I phraseologie Viet Minh, Viet Minh une notion identique. There is an absolutely identical c'est idea. Le genre de déclaration qu'on faisait au sein des prisons. That was de toute façon, made and declared in prisons. C'était des recommandations qui pouvaient être données these were recommendations aux gardiens, aux directeurs could be given des prisons. To guards or directors of prisons. Quand vous relâchez quelqu'un, be very careful. Pas faire une erreur. When you par contre, release someone, si you cannot make a mistake. Qui on est, the other hand, if you imprison someone who is innocent, c'est pas grave, puisque les buts de la révolution sont deal. Tellement nobles. Because the goals of the revolution la fin are so justifie les moyens. Noble exactement. That the end ça veut dire. Justifies the means. So that is les moyens. What is meant there. The ends justifies the means.
Plus généralement, concernant le traitement des personnes qui étaient arrêtées concerning the treatment dans of people who were arrested and imprisoned in detention centers. Est-ce que ces personnes bénéficiaient de la moindre garantie did these people qu'aurait pu benefit offrir un processus from judiciaire any kind of normal guarantee that they would receive a normal judicial process? Et je pense à l'assistance and d'un I'm avocat, thinking about, la possibilité the assistance de contester of a les lawyer, charges, the ability to contest garder silence, the charges, to remain silent, de présenter sa cause devant to les juges, present their case d'avoir before le droit a judge, un recours. Or to have some other type of recourse. Bien sûr, vous nous posez, me posez une question à laquelle vous venez course, vous-même de donner la réponse. You're aucune question de ces that you yourself know the answer to. None of these dans le monde legal démocratique safeguards that we n'existaient have sous in the democratic world existed sous under the Khmer Rouge. Excusez-moi, j'ai perdu le fil de mes idées. I've lost my train of thought. Je vais poser la question suivante. Comment expliquez-vous que les dirigeants Khmer Rouge ont construit un système qui faisait la part belle aux arrestations et aux exécutions arbitraires, puisqu'il n'y avait pas de garantie judiciaire? Pourquoi ont-ils Khmer Rouge built un such a system where there were no legal guarantees and there were many executions? Why do you think they built such a system? Oui, je voulais vous dire, c'est tellement en dehors du système so judiciaire que nous connaissons dans le reste du monde, le système judiciaire avait totalement été aboli, Inksari avait pu proclamer, quand il était interviewé à l'étranger, au Cambodge démocratique, nous n'avons abroad, pas de prison. We have oui, no prisons vrai, in democratic Cambodia. Vrai. Yes, literally speaking, that's true. There are no prisons such as we know them in a normal alors, or democratic country. So, how can this be justified? Les Khmer Rouges étaient des gens because très pressés. The Khmer Rouge were people who were je crois in que very much of a hurry. And I think that the brutality of the regime deux causes essentielles. C'est que dans l'histoire de la guerre froide ou dans particular l'histoire in the history of the Cold War and the history of the development sont venus of communist les regimes, they were the last la dernière in line. Phase très tragique so it's the de la last guerre froide and very tragic et, chapter ils étaient in the book of the Cold War de rattraper les autres qui avaient commencé were trying to catch up with the others who had started avant, 40, 50, 60, 70 years before il fallait the Soviets it was almost 70 years before so they needed to rush through all the phases of development et deuxièmement, that was the first thing and second la majorité des pays qui sont devenus to the contrary of most of the countries that became communist there wasn't a minority, a communist minority, as there was in the Soviet Union or even Vietnam. The true communists au Cambodge n'ont jamais représenté plus que never represented 1% de la more population. Than 1% of the donc, population. Ils ne pouvaient utiliser pour se faire obéir que les méthodes de so la, in order to see that they were de obeyed, the only method extrême, they had at their disposal was the most extreme violence and terror. They were such a minority leur that they could only develop terreur. Their policy donc, by part, using terror. Pressés, so on the one hand, part, they were very hurried. And on the other hand, they were a very small minority. And finally, de la, ils étaient so hyper nationalistes et hyper chauvins de la grandeur de la culture khmère et en particulier de la grandeur des monuments d'Angkor qu'ils pensaient dans l'idéologie de la petite, le petit soviet qui dirigeait le pays qu'ils allaient être le fer de lance de la révolution mondiale qu'ils allaient devenir le modèle de la révolution mondiale que la mecque de la révolution mondiale passait de Moscou à Pékin et de Pékin à Phnom Penh. They'd hand off the torch from Moscow to Beijing and from Beijing to Phnom Penh. Sujet de question. La justice ou de la présomption still on the issue of justice or the presumption of innocence, or here it is more so the presumption of les guilt. Les interrogateurs avaient la latitude did the interrogators have the latitude or the right when they were interrogating prisoners de remettre en cause la validité du jugement de l'Ankar qui avait arrêté to question personne. The validity of the opinion of Ankar who had accused these people. Dire, cette personne n'a rien fait, could they say in their interrogation as a result of it, this person didn't do anything, for example?
Voilà, la lumière revient. Bon. Answer. Effectivement, well, comme je crois l'avoir dit, the light is coming back effectively, as I believe I emphasized yesterday, in all of the provincial prisons. Il y en avait beaucoup plus au début there du régime qu'à la fin, mais effectivement, there were much more at the beginning than at the end, but un certain nombre d'accusés, indeed, a certain la number plupart du of temps, those who've been accused, les Kamako, Kaseko, prolétaires, most prolétaires of the time, they were anglais, proletarians, qui étaient de simples paysans ou de simples ouvriers, simple workers pouvaient or simple plaider peasants, leur innocence. They could plead their innocence. À ce moment-là, on vérifiait leur dire dans leur commune populaire, time, dans leur village d'origine, et si ça correspondait, they à ce moment-là, ils pouvaient être relâchés. Them out in their native village donc, where they came from, and if it turned out to be the truth, then they could be ces released. Interrogatoires so, ont, dans certains cas, mené à des libérations. Lead alors, pour en évaluer le pourcentage, c'est très difficile. Liberating them, il faut quand même savoir them. Que c'est quasiment impossible de faire des généralités but we need to know sur le régime, it's parce que impossible c'était to le chaos. Speak in generalities le chaos. For the regime, because it was completely chaotic. It was total chaos. So there could be one thing that happened in one people's commune, in one place, and the one next door was completely different. So it's very, very difficult, and we must be very cautious. Mais in vous voyez, le premier témoignage que j'ai recueilli, but celui de Munson, quand il a été Munson, libéré, il était une cinquantaine à être libéré. Gave me testimony. He said that he was among a group of about 50 people that were released. Un nombre important. So sometimes it was a significant number of people. Et qui avait le pouvoir question. Sur le Kampuchea and démocratique who had the power de in Democratic Cambodia to decide on the release or the execution of a person in a security center? Was it the interrogator? Was it the director of the prison? Was it even higher that that decision was taken? Were you able to find that out? Voilà, vous me posez une question très difficile. So you're asking me a very difficult question. Évidemment, Deutsch n'a pas cessé de répéter que ce n'est pas lui qui prenait la décision, qu'il obéissait soit à Sonsen, soit à Nunchia. Je crois me souvenir, en examinant les archives de Kang Tachan, qu'effectivement, il y avait toujours des annotations et que des approbations pour exécution and ou libération devait être demandé à l'autorité supérieure. Had to be requested alors, from a superior authority, someone higher. Ça ne pouvait sûrement pas être l'interrogateur et peut-être même I'm pas sure le directeur the interrogator, de la prison even qui the pouvait prendre la prison, décision who was able to et que ça devait take that decision, être and that it had le commissaire to be politique perhaps, bah, de, du district. Political commissary of des prisons commissioner des prisons of the district, district because most of the prisons were at the district level là, and that perhaps that was the person who had to take the decision. But here I don't have any specific information because I didn't interview anyone in that position who could have told me how that happened exactly. Encore deux choses sur ces libérations. Quand question, vous parlez de libération, vous avez dit ce sont des accusés release, prolétaires, simples paysans. Est-ce que accused, the simple peasants, ces personnes qui étaient libérées étaient were these accusées who d'être were released, des prisonniers, d'être accusées plutôt de fautes légères were they accused et of, est-ce qu'il y avait également des libérations dans, au sein du peuple nouveau? And were there also releases of people who were part of the new people? Could the new people also be released? And also, as I had said, were these releases only of people who had been accused of minor offenses? Bien, oui, là vous avez tout de suite un exemple yes, pour revenir encore à Munson et son épouse Pali, qui étaient complètement considérés comme peuple nouveau, puisqu'ils étaient les habitants de Kompong Som. They were residents of Kompong Som, and he worked for the oil refinery. He was educated. He had been to do an internship in France, so he could have been classified as educated, and indeed he was released.
On a beaucoup dit que as on for the accusation of the offense, une banane, we heard a lot of cases of we arrested you for having stolen a banana or a grain of rice. Et on la retrouve dans tous les discours. So the general rule that we hear fautes qui ont été commises, ou qu'on s'endort pendant les heures de travail, is that one fell asleep in working hours or some of the minor offenses. Generally, le soir, the re-education or self-criticism meetings. Et puis, of the evening, one was forced to confess to that fault, and one was warned. And then, if it was repeated, at that point, one could be imprisoned. Encore une fois, il n'y avait pas de. But once again, il n'y avait pas de droit, il n'y avait pas de règles. Donc, there were no rights and there was no rule. On a pu there was no law. So it was complete the chaos. Même pour and it was possible, grave, par exemple, even for a very serious grave, offense Mérouge, or considered to be very serious, comme un viol, among the Khmer Rouge, such as a non rape or having unauthorized sexual relations, it wasn't necessarily automatic that you would be put to death. You could be released. Even on ne peut pas répondre clairement à votre question puisqu'il n'y avait pas de règles claires. It's impossible to respond clearly to your question because there was no clear dans rule. Les personnes dont vous dites qu'ils ont été libérées, donc, the people that you said were est-ce released, que vous incluez les personnes are qui you étaient their libérées de la prison pour travailler, people who were released servir from de matoufaire, par exemple, dans la prison, work, ou or, vous n'incluez que les personnes to perform qui all étaient sorts of tasks in the prison, vraiment libérées, or are you talking about people who were truly freed and could go back home to their cooperatives, their communes, their people's communes, or the collective hier. Entities that you spoke of yesterday. Hier, vous avez également dit yesterday, que certaines de ces personnes n'étaient pas libérées directement, mais étaient envoyées dans des camps de rééducation. Released, donc, je voudrais savoir ce que vous entendez exactement par personnes libérées, aux yeux du régime, who were released, in qui the eyes étaient libérées, the qui n'étaient pas. Who was released and who was not released. Voilà, alors d'abord, distinguer libération complète we have to make the distinction between complete liberation and travailler dans la prison. Those who are kept in alors, S21 oui, to work in prison. Ces personnes-là, je ne les yes, considère pas comme libérées. I do not consider those persons as ça a été liberated. Le cas, d'ailleurs, de that was, dans sa by the way, prison, the case in, Chong, with Monson, was in prison. Chun, who became les a man who did everything, était, repairing coulé, boats, etc. Mais il n'était pas libéré. Il he a été gardé released. Prisonnier jusqu'à la frontière thaïlandaise. In prison, even at the Thai de même, Van Nack border, n'a pas we été have libéré. Van Nack. Donc, cela he ne was pas not libéré. Alors, il y avait deux sortes de libérations, so comme vous venez kinds d'évoquer, of liberations à travers that we un camp de rééducation to, ou directement retour à la commune populaire. They were either sent to for re-education voilà. Mais quand or c'était de retour to à la commune populaire, souvent, on vous ne renvoyait pas dans votre commune d'origine. On vous a renvoyé dans une autre commune parce qu'il était essentiel que la prison demeure secrète. Le secret, c'est le principe absolu. Should remain secret. Secrecy was absolute in democratic Cambodia. So when people were sent to the popular cells, they were told not to talk about what they had known when they were with the Santibal. Je voudrais vous confronter alors à un question. Témoignage qu'on a entendu à propos de S21. Like you to consider a testimony regarding S21. The situation is very different. That is that of Prakan. He was an interrogator at S21. Et voilà ce qu'il a dit. And this is what dans son témoignage, in his testimony le 27 avril 2016 before this chamber, and his document E1/423.1. E1/423.1 at 14:30:56. La question que je lui avais posée était la suivante. That, was put to him was les ennemis as entraient à S21 enemies sur base d'une décision on the basis of a decision est-ce to arrest que them. Vous a dit qu'il était possible you, que Anka se soit trompé en arrêtant des gens in arresting people. Et sa réponse and était his la was suivante. As follows. Je n'ai jamais entendu parler d'éventuelles I erreurs never heard of commises any errors lors des arrestations. Committed during arrests. Un tel terme n'a jamais such été employé. Was never used. Quiconque était arrêté anyone et amené was arrested à S21 était considéré was comme l'ennemi. As the enemy. Fin de citation. End of quote.
Et ça semble conforter ce que Deutsch disait, qu'il n'y avait pas de libération à 21. Alors, est-ce que cela vous étonne d'entendre un ancien interrogateur Are you surprised to hear an interrogator from S21 say that everyone who entered S21 was considered as the enemy, even before they were interrogated? Oui, alors comme vous, j'ai mis longtemps like you, à être persuadé de cela. I was for et a long je n'étais pas du tout certain que Deutsch dise vraiment la vérité. And I'm not sure at all that Cependant, Deutsch is telling the truth. Il faut savoir that que said, S21 était quand même, si c'est le sommet de la pyramide, mais c'était quand même une prison tout à fait spéciale. Premièrement, elle avait autorité sur tout le pays, contrairement à toutes les autres prisons. Deuxièmement, contrary to the à part others. Secondly, le début de S21, apart from the situation at the beginning of S21, it was the prison for military and civilian Troisièmement, cadres. Thirdly, ils avaient été envoyés là, semble-t-il, en tous les cas selon les dires de Deutsch, par la direction du pays, to what Deutsch said, c'est-à-dire par le bureau the leadership of the country, that is, office Or, 870. C'était un dogme absolu du so pays it was, que therefore, Pol Pot et Nguyen avaient toujours raison. Country, that, il était Pol Pot absolument and pas question de mettre en doute leur décision to et leur challenge their decisions and their ideologies. D'autre part, comme On je l'ai dit hand, hier, as I stated yesterday, j'ai trouvé deux ou trois I autres prisons de province qui étaient réservées in the that were aux cadres confidentiels. Et je pense surtout à celle de Oring. Oh, j'ai là dans mes dossiers plus de détails sur cette prison, qui était réservée uniquement aux Khmer Rouges, surtout des soldats. For the Khmer Rouge. Et il m'a été dit qu'ils étaient tous exécutés, qu'il n'y avait all aucune who there were executed, no one La prison was avait disparu, mais so on voyait encore les fosses. Was going to disappear. On voyait, alors, le régime de Hun Sen could still avait pratiqué, fait un pits mémorial, and, Hun Sen's que j'ai photographié, d'ailleurs. Had a memorial, and I photographed, bon, photographed le régime de Heng Samrin. A the Heng Samrin regime thought that it was an important place and that it was important to erect a monument there. Peut-être un certain nombre de leaders du Since perhaps du régime a certain number of leaders des connaissances du régime suivant avaient été exécutés là. And, Mais je peux vous garantir qu'à cet endroit-là, ils ont tous été exécutés. There. Donc, All of il n'est them pas impossible were executed there. So que it is not impossible that Prakan and Deutsch told étant donné the la truth, spécificité given de S21. The specificity bon, je vais essayer d'avancer. Alors, le troisième slogan, si je voudrais vous soumettre, c'est porte the, numéro 42 en français et 50 en anglais. Toujours dans votre French livre, E3-2812. Il est le suivant, quand on arrache les And herbes, il faut en extirper When toutes les racines. Weeds, you must pull out all the roots. Donc on retrouve ici le mot extirper dont on a so déjà parlé again, tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous dire à quelle situation ce slogan s'appliquait sous What le régime Kampuchea démocratique this slogan applied to under the democratic Kampuchea regime? Alors là, comme pour le slogan précédent, vous m'avez demandé As de commenter. Was the case with the previous slogan, Il s'agit which, d'un dogme me to comment on. This qui was semble an order être répandu chez les communistes asiatiques. Disseminated et among il y avait communists. Le même slogan dans la Chine de Mao. In Mao's China. Alors, il est connu que dans la Chine de Mao, so it is well known on, that quand un homme était arrêté, on arrêtait aussi sa femme. Mao regime in China, when a man ses enfants, was arrested, ses enfants avaient des his wife was Est-ce arrested as well, and perhaps tués, their children, peut-être they pas, had problems. Mais were they enfin, systematically ils étaient killed? Inquiétés. Perhaps not, but Il they were nevertheless harassed. We also know that in communist si Vietnam, étiez, if enfant, you were de, the child opposant au régime ou de of gens
an opponent to the regime. Vous étiez difficile de trouver une place à l'université ou des choses comme ça. It was difficult une certaine répression for you to be admitted in university étendue à toute la famille. And so on and so forth. So donc, comme, the repression comme partout, was extended to the entire family, as was the case everywhere. The Khmer Rouge took up ideas that existed in other communist countries, and they plus loin. Went as far as their logic took them. They went too far. That is to say that this. Au mois de juin, vous avez interviewé in June, you interviewed at length or interrogated Deutsch at length on this subject regarding the extermination of children at S21. But quite obviously, this was practiced in all prisons. We have again the case of Munson. When he was arrested, they claimed that it was for him to go and work at the oil refinery in Camp Ponson. He had four children, so he took the other children, and his wife was pregnant. They took them, they imprisoned them. The children were not killed, but they died of hunger, and Mrs. Pali trois semaines après, simplement had her baby, parce que but she died la mère n'avait pas hunger. De lait. Voilà. Donc, the child died of hunger later because the mother didn't have any milk. Non seulement il faut arrêter les so parents, these mais are également examples les enfants. That show that not only the parents were arrested, but also the children were arrested. Quelle était la justification question. Avancée par les dirigeants Khmer Rouge qui justifiaient que l'épouse et les enfants d'une personne qui avait commis une faute the fact that they were the spouse and the children were also arrested. What was the purpose for arresting both the husband and wife and children? Qui, pour certains, en tout cas, n'avaient pas commis de faute, the children and the wives who didn't commit any du mari ou du père, errors, y avait-il une signification particulière à ces arrestations? Have to suffer the same fate as their father? Why were they arrested as well? Monsieur le procureur, là encore, je crois que vous connaissez la réponse. Answer, Mr. Prosecutor, I know here again you know the answer. The Khmer Rouge en particulier were convinced, que la priorité des priorités c'était de protéger the most absolute les deux ou trois dirigeants du pays. Was to protect the two or three leaders of the country. For as long as the two or three main officials, main leaders of the country, Pol Pot, that is those at the apex of the country, Pol Pot, Nguyen Chi, and Khieu Samphan, absolutely had to be protected to make sure that the revolution would last forever, 10 years, 10,000 years, as Nguyen Chi had said. So they had to execute the children of traitors because they were convinced that the children would take revenge someday in future. So they had to absolutely protect the leadership and the revolution. Dans vos recherches sur les centres de sécurité, question, est-ce que vous in avez your research on security centers, si were you able to find out whether ainsi que les femmes des the children as well as the spouses of male prisoners were systematically registered? Oui, alors là, je pense que answer, yes. Ça se passait aussi in this case, comme, un I peu comme S21. The situation was very much same as at S21. De Pali, in the case of Munson and Pali, indeed, in the autobiography, there's a drawing of the prison. The children and the wives were not shackled. Most prisoners, we have many witnesses est en train de faire un film, who d'enfants qui ont survécu testified et dont to the les parents fact that ont many été children en prison, survived, les enfants children jamais whose parents was imprisoned. Quelquefois, the children were never shackled, and sometimes, most of the time, they were executed. Saint Thierry, this is another example, who wrote his memoir, he was in Swiving and Preveng. He survived. Quelquefois pas immédiatement tués. The children comme were not killed immediately. Survécu, in some cases, as was the case in S21, some of them survived. They gave them little jobs to do, to carry excrement, and so on and so forth. Imagine the situation in Siem Reap prison. Imagine the fate of those children. Enfin, their case was abominable.
And you feel like crying when you look at what happened to them. Question. Si leur nom my question was whether they were registered. Dans des listes. Were their names registered on lists in some of these prisons? Oui, en fait, answer, je ne crois pas. Yes. En regardant fact, hier soir à nouveau mon article sur Kran Tatian, when I looked at my article on Kran Tatian last night, since I interviewed people regarding Kran Tatian, je me rappelle plus d'adolescents qui avaient moins de 18 ans. 6 and 10 adolescents who are aged under 18, so they can be considered as children. So out of the 477 prisoners from Kran Tatian, only 6 or 7 were registered in the archives of the prison, and they were also executed, I believe. Contradiction. Vous avez dit qu'on arrêtait également les épouses et les enfants. Because you said that they arrested qu'il y avait donc moins wives and children as well. How do you therefore explain the fact that there were less women in the security centers per se? Oui, en effet, vous avez raison. As a matter of fact, si, you are right. Automatiquement, on devait arrêter les femmes et les enfants, il devrait y avoir autant de femmes and children had to be automatically arrested. Mais then you c'est have the same number of men and women. Voilà, you could have asked the question to Deutsch because the situation was the same at S21. So, d'ailleurs, ça a été le when cas pour les men soldats, were arrested, the women were not automatically arrested. Bon, là, c'est un problème sur lequel le tribunal s'est beaucoup penché. L'extermination de l'armée républicaine. On a commencé par les officiers supérieurs, plus par les officiers intermédiaires. High-ranking officers and les soldats, the intermediate officers came next, and then they exterminated the soldiers, the rank and file, in 1977. And 77, they continued tracking down former soldiers of the Republic, and sometimes, and I saw this in Farsad province, and once all the men had been exterminated, they then turned to the mais women c'est je crois and the children. C'est quelque chose d'extrêmement important de réaliser I que think it's extremely important to realize that at least 96% des prisonniers dans toutes les prisons du Cambodge in all prisons étaient des hommes, in Cambodia et c'est pour were ça men, qu'on s'est trouvé à la sortie du régime avec autant de veuves, the regime, there were so many widows dans le nouveau régime et des femmes qui regime. Sont devenues des chefs de famille and women became la vie family était très, heads très, très and life for these women was extremely hard. À défaut d'emprisonnement systématique question. De toutes les femmes des prisonniers although women who are spouses of male prisoners were not imprisoned were those identified the subject of any particular treatment. Or they were they identified for any particular reasons? Je suis désolé. Je suis j'ai un peu l'esprit policier, un fils de policier, petit-fils de policier. Mais mes investigations ne sont pas allées jusque là. And grandson of a police officer. Bon, puisqu'on est dans le policier, le slogan suivant porte le numéro 87 en français et 99 en anglais. The next slogan is c'est le fameux slogan l'encart à les yeux de la nana. And the slogan reads as follows, Anka has pineapple eyes. Can you tell us bien connu whether that slogan was well known? Est-ce que de nombreuses personnes vous en parlaient de ce slogan à travers le pays lorsque vous les avez rencontrés? To you about this slogan across the country when you met with them? –
Oui, bien sûr. Votre question comporte aussi la réponse. Of course, c'est un slogan qui est tellement connu qu'il a été repris dans la littérature sur le Cambodge démocratique. In literature on democratic Cambodge. D'ailleurs, j'aurais voulu que mon livre s'appelle comme ça. C'était un titre possible. It was a possible title used. Ça a donné lieu à des contre-slogans. I recall that it gave rise to counter-slogans. It was derided. Vous avez les contre-slogans après. And you have the counter-slogans. Lanka a tous les yeux de la nana, mais Anka est incapable de voir la misère du peuple. The pineapple's eyes, but it's incapable of seeing the misery of the people. So there were counter-slogans like this one. Ne couvre absolument pas tous les contre-slogans qui ont pu être imaginés. Les Cambodgiens ont tellement d'humour et aiment tellement rire que même sur le Cambodge démocratique, ils ont dû, mais à sous-cap, se moquer des dirigeants tout le temps. They tried to make a mockery of the leaders all the time. Quel état d'esprit ce slogan inspirait-il à la population? What state of mind did this slogan conjure up in the minds of the people, the masses? Député, que le procureur puisse répéter la dernière question. Monsieur le procureur, veuillez répéter la dernière question et veuillez à ce qu'il y ait une pause suffisante entre chaque question et chaque réponse pour faciliter le travail des interprètes. Mes excuses, Monsieur le Président. Donc, quel état d'esprit ce slogan était-il censé inspirer à la population ordinaire qui l'entendait? The ordinary members of the population who heard it. Évidemment, il était fait pour susciter la terreur. It was meant il y a deux moyens de faire peur aux gens. Évidemment, c'est par la parole, le verbe, to cause terror. Et d'autre part, par there le Kalachnikov, many ways of par les armes. The Donc, using c'était words, les deux moyens qu'avaient l'Éclair Rouge, la direction Khmer it Rouge, was one of the de tenir means en joue by the la Khmer population. Rouge to enslave, to keep the people le slogan suivant est moins enslaved. Connu, c'est porte le numéro 76 en français et 88 en anglais. 76 in French il parle notamment de la race. And it talks specifically about race and states. Aimez-vous votre classe sociale? Do you aimez-vous love your social votre race? Do you love aimez-vous l'Anka? Do you love Anka? Alors, peut-être que vous allez nous donner une perhaps explication générale concernant la signification de ce slogan, mais en particulier slogan, que signifiait le terme classe sociale like ici, sous le Cambodge démocratique. Social il y en avait plusieurs. Et si oui, lesquels? Do you have many explanations? And if yes, which ones? Oui, alors là, vous touchez à un problème fondamental. Putting your finger on a very là, fundamental je vois problem. Que le mot race here ici est en Khmer, the word c'est race cha. Is pukcha oui, in Khmer. Pukchesa voilà. In Khmer. Habituellement, on utilisait aussi, usually, dans la traduction en français ou en anglais, on French utilisait toujours le mot tiet. They always tiet. Use the word tiet. Or, tiet however, veut dire deux choses. Means two veut things. Dire la nation. It can mean tiet, the nation. Tiet, la nation. Tiet. Mais aussi, but il est traduit par race. It also alors, pertains to race. Les observateurs ou les historiens so, qui veulent nous faire croire que les Khmer Rouge étaient racistes, essentiellement racistes, ce que je ne crois pas personnellement, ils traduisent systématiquement le mot tiet par race au lieu de le traduire par nation. Race, ils étaient nationalistes, nation, très chauvins, xénophobes, on est tous d'accord, mais qu'ils soient racistes, à un moment, une question de débat, à débat. Alors, vous m'avez demandé Vanna. Alors, prolétaire, il n'y avait pas de mot pour prolétaire there en was no word for donc il y avait deux traductions. Khmer, il y avait Kamekor, Kaseko, c'est-à-dire ils ont accolé ouvriers paysans.
Ils plaçaient les paysans, les ouvriers devant les paysans. C'est intéressant. Ils disent Kameko, Kaseko. Ou alors il y avait la traduction savante en pali. C'est Bana Atun. C'est-à-dire qui n'a pas de classe, qui est hors classe. Bana Atun. Je crois que ça veut dire ça plus ou moins en Khmer. Mais peut-être les Khmer vont me corriger. Bana Atun. I believe that was the case. And those who speak De toute façon, can correct me. C'est In any case, intéressant ici qu'il n'ait pas utilisé le mot tiet. It is interesting to note here that they didn't use the word tiet. Puchessa. Il faudrait revoir dans des dictionnaires exactement quel est le sens de ce mot. This term in Je pense que c'est un mot savant. I believe it is a learned word. D'origine pali sanskrit. It is a word of Et que peut-être pali le commun des mortels ne connaissait pas. And it is possible Parce qu'il y avait beaucoup de mots savants utilisés par les Khmer rouges, comme Chakrapoat, Mulitaniyum, etc., qui ne faisaient pas du tout partie de la langue des Cambodgiens. Si vous demandez aux Cambodgiens Chakrapoat, aujourd'hui, la plupart du temps, ils ne connaissent pas le mot. Chakrapoat means, most of the people wouldn't know what it means. Vous avez parlé de cette notion de race ou de nation. You talked of the notion of Sous le Cambodgien démocratique, parlait-on de nation Khmer ou de race Khmer In terms of the de nation cambodgienne, Khmer nation de race Khmer race. Did they talk of Cambodian nation or Cambodian race? Voilà, alors, bon là encore vous me demandez une question vraiment difficile à laquelle je ne peux pas vraiment répondre. Je pense que le mot tiet est extrêmement commun. I know the word tiet, ça veut dire les minorités ethniques. Tiet, which means ethnic minorities. C'est la langue de tous les jours. Donc on a utilisé le mot tiet daily by everyone. Les Khmer rouges étaient très chauvins, donc ils avaient ce mot à la bouche tout le temps. Par contre, le mot Puchessa, je ne pense pas qu'il devait être très courant. Je ne sais pas. Mais il faut demander à qui s'en parle, parce que là, lui, il peut répondre à ces questions sur l'utilisation de la langue Khmer. Et moi, je ne veux pas. This question regarding Khmer language usage. I cannot Juste une answer question, question sur cette question de question race ou d'ethnie. Regarding race and durant ethnicity, during democratic les minorités Kampuchea, ethniques avaient-elles le droit de parler leur propre did langue they have the right to speak their own languages, tous, or did they all had to speak Khmer? Alors voilà une question intéressante. Answer, je vous en remercie, à laquelle je peux peut-être répondre. Ayant, should be able to answer grâce it. À mes longues conversations avec Pipoun, mes visites à Ratanakiri, la première fois que je suis allé, c'était en 1964, ça fait plus de 50 ans, donc je connais un peu l'histoire de cette région. So il est certain que les minorités ethniques, Jarai, Tampun, ont été les enfants chéris du régime. Que lorsque Ben Kiernan écrit que 40% ont été exterminés, c'est un chiffre en l'air qui n'a aucun sens. D'ailleurs, je crois que Ben Kiernan n'a jamais mis les pieds ni à Mandakiri ni à Ratanakiri. Les chercheurs sérieux comme Sarah Cohn évaluent le taux d'extermination pour Ratanakiri entre 5 et 7%, c'est-à-dire beaucoup moins que le reste de la population. D'ailleurs, si un certain nombre de the rest of the population. So if we have some members of ethnic minorities who are imprisoned in Tuslang or S21, I think it's a very small number. So they place them at the very summit of the society. Ça explique pourquoi on a emmené déplacer tous les gens dans la forêt. On en est revenu à savoir se débrouiller, tout savoir faire sur place, être autonome, à ne pas utiliser l'argent, etc. Et j'ai appris dans mes conversations précisément avec Pipoun que le premier écrit de Pol Pot a été un petit opuscule sur le mode de vie des minorités ethniques de Ratanakiri. Alors, ce document a disparu.
combien de pages il avait, je ne sais pas, mais tous les arrivants des Khmer Kandal, c'est-à-dire les Khmer de la plaine qui arrivaient à Ratanakiri, on leur faisait lire ce petit opuscule pour dire, regardez, le mode de vie des minorités ethniques, c'est un mode de vie modèle, c'est extraordinaire, il faut revenir, il faut remonter le cours de l'histoire jusqu'au communisme primitif, et sauter l'étape du féodalisme et du capitalisme et bondir du communisme primitif au communisme moderne, en gros, pour caricaturer. En ce qui concerne la langue, this was puisque c'est votre question. As alors là, c'est très paradoxal, parce que à la fois, ça veut dire, le raisonnement de Pol Pot et de ces messieurs, c'est toujours des sophismes, parce qu'ils nous disent une chose et son contraire, tout le temps. Alors, ils nous disent, la manière de vivre de ces gens-là sont idéales, mais ils ont pratiqué, sinon un génocide, du moins un ethnocide des minorités ethniques, c'est-à-dire que les minorités ethniques ont dû abandonner non seulement toutes leurs croyances, mais toutes leurs fêtes, toutes leurs cérémonies, tout leur mode de vie, et se fondre dans des communes populaires avec des Khmer Kandal, avec des Laotiens, etc. Et surtout, ils ont dû apprendre dardard la langue cambodgienne. And in particular, they had to learn the language of the Cambodians, which was barbaric. Qui était professeur de Khmer et qui a enseigné le Khmer aux minorités ethniques. Et Pipun ne sait pas écrire sa langue, le Jarai, qui a été transcrit au Vietnam, mais par contre, il a appris le Khmer très bien, et il pouvait écrire et lire le Khmer, et voilà. Read and write Khmer. En gros, and so on dans les so communes populaires, but ils n'avaient plus le droit, effectivement, d'utiliser leur langue de minorité. Mais en relisant mes notes sur Ratanakiri, j'ai vu que dans certains endroits, ils avaient regroupé quelques villages de minorité ethnique sans ajouter des Khmer des plaines ou des Laotiens, et qui les autorisaient à utiliser leur langue. Bon. Mais enfin, en gros, ils ont, les Khmer Rouges ont pratiqué un ethnocide, tout en les mettant au pinacle, au sommet de la société, ils ont pratiqué un ethnocide pour les minorités ethniques. Alors, quand je parlais de minorités ethniques, je ne disais pas seulement les ethnies montagnardes, donc du Nord-Est, mais également les Cham et les Vietnamiens. Donc, une réponse très courte, est-ce que les Cham et les Vietnamiens brief response. Les Vietnamiens qui étaient Cham des personnes qui habitaient au Cambodge, qui étaient restées in Cambodia and après, disons, les déportations. After the deportations. Est-ce que ces personnes devaient, comme les montagnards, ne parler que Khmer, ou avaient-ils le droit d'utiliser leur propre langue? Have to only speak Khmer, or did they have the right to speak their own language? Là encore, je n'ai pas de source primaire. Ce n'est pas une question que j'ai posée à mes interlocuteurs. Cependant, il est bien connu que toutes les langues en dehors du Khmer étaient interdites sous le Kampuchea démocratique, en particulier puisque toute la classe éduquée avait été éduquée dans la langue française. Beaucoup de Cambodgiens étaient très à l'aise dans la langue française. Même certains utilisaient la langue française à la maison, comme la famille de Niek Tulong. Dans la famille de Niek Tulong, on parlait français à la maison. For example, spoke mais c'est pas typique, mais beaucoup de Cambodgiens éduqués connaissaient le français et il était extrêmement important, et Pignatai nous l'explique, de cacher qu'on connaissait la langue française parce que c'était un